Nous quittons le stand par temps gris et froid, vent de nord. La mer est agitée, nous avons pris un riz. Je m'approche du cargo, ça me fait peur un peu, il va pas vite, viens voir. Un cargo descendant de la mer du Nord vire juste devant nous pour prendre le chemin. Le trafic de cargo s'intensifie. Nous approchons du chenal menant à Anvers. Et donc voilà, encore un bien chargé, comme d'hab, porte-container. Avec cette mer agitée et ce temps froid, Marité finit par avoir le mal de mer. Le vent affaiblit. Nous avons une belle nuit pour naviguer. À l'approche de Rotterdam, une ligne infinie de lumière brille dans la nuit. Ce sont d'innombrables cargos, ancrés au large, en attente d'entrer au port. Ce spectacle est impressionnant. Marité étant couchée, la nuit va être longue pour moi. Le radar AIS me permet de voir tous les navires à proximité. Je prends pas trop de risques de pouvoir me reposer en faisant de la veille régulièrement. Notre arrivée sur Ijmudun. On va laisser passer un bateau un peu plus gros que le nôtre. On se fait peut-être mal. Alors on n'a pas coupé la IS, alors c'est en alarme permanente là-dedans. Il y a des bateaux partout. Le trafic est intense dans ce canal menant à Amsterdam. Le paysage varie entre campagne et zone industrielle. C'est la vague. En soirée, nous trouvons un petit ponton où nous passons la nuit avant d'aller sur Amsterdam. Voilà,
cette vision impressionnante des immeubles et des cargos devant. Des ports de plaisance, tout mélangé. En arrivant à Amsterdam, nous nous dirigeons vers le bassin abritant les péniches d'habitation. Après quelques jours passés à Amsterdam, où Dominique nous a rejoints, nous repartons pour Harlingen en passant par la mer intérieure de Hollande. Passage d'une rive à l'autre, une activité intense devant la gare. Reste bien sur ta droite. Je vois pas ce qu'on peut nous dire. Nous passons une journée dans le joli village de Horn, qui a donné son nom au Cap Horn, à son activité maritime au XVIIe siècle. Ce soir, on a sorti le jeu de cartes. Ah, moi qui tourne pour être face au vent. Passer là, dans les toutes petites passes. Après Horn, nous prenons une écluse pour passer dans la deuxième partie de la mer intérieure, avant d'en ressortir pour atteindre Harlingen. Thank you.
en attente d'entrer dans le port d'Arlingen. Descente du canal, après avoir fait du gasoil. Il se trouve que pour faire du gasoil, il faut aller à plusieurs kilomètres par le canal du Nord, à l'intérieur des terres. Mais on a l'impression d'être à la campagne. La prochaine étape nous mènera en Allemagne, puis au Danemark avant d'atteindre la Norvège. Encore de belles aventures.